m'appelle Maëlle Laurent, je suis lyonnaise. 17 ans, j'ai eu un accident. J'ai été amputée de la jambe droite. J'ai toujours adoré le ski. Et malgré mon handicap, eh ben, l'année suivante, j'ai recommencé à skier sur une jambe. Au départ, ce n'était pas toujours facile parce qu'il a fallu trouver la technique, mais après, nickel. Et du coup, j'ai eu la chance de participer, de rentrer en équipe de France en e-sport et de participer à des championnats du monde en e-sport et aux Jeux paralympiques de Tignes en 92 et de Lillehammer en 94. Et j'ai gagné une médaille de bronze en géant et une médaille d'argent en slalom. Et voilà. Et donc, pendant 10 ans, j'ai fait du ski à haut niveau et après, je suis prothésiste, c'est-à-dire que je fais des prothèses et je travaillais dans un hôpital à Lyon. Et donc, après ma grande période de ski, après je me suis reconsacrée à mon métier. Et maintenant je suis retraitée. Mais j'ai jamais eu peur de remonter sur les skis. En fait, si j'avais eu peur, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait, quoi. Salut! Bon. Ouais, c'est vrai. Je vais vous poser des questions sur la journée est là. Il faut savoir ce que vous en pensez. C'est bien pour les handicapés. Là. Ouais, c'est bien, ça donne un peu de thune pour les associations. Quoi. Vous savez pourquoi vous courez? Là, pour eux, là. Là, pour des personnes handicapées. C'est ça, non? Ouais, est-ce que vous savez quelle maladie représente cette association est là? Oui, mais c'est une maladie. Moi, je sais pas. La leucodystrophie. Voilà. Ah, oui. Ok, salut. Bonjour. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette journée pour là? Bah, je pense que c'est une bonne journée pour déjà se défouler et ensuite c'est bien participer à des événements comme ça parce que quand on pense qu'il y a des personnes, des enfants qui ne peuvent pas ni courir ni marcher, qui sont trop au lit, qui rêveraient de ça, bah moi ça me touche. Voilà. T'as fait combien de temps? 8, 7, 8, 9, c'est des chiffres. Hein. Et qu'est-ce que ça représente pour toi courir si on est là? Bah, c'est un peu un symbole assez fort parce que bah, nous on peut courir donc on montre aux gens que bah, on soutient ses enfants et que et voilà, bon, on court pour eux en fait. Je m'appelle Isaac. T'as quel âge? 6 ans. 6 ans? Alors tu sais pourquoi tu cours? Oui. Cours pourquoi? Pour avoir une maladie. D'accord. Et est-ce que tu es content de courir? Oui. Oh. Bonjour. Alors, on voulait savoir votre avis par rapport à la journée ELA qu'on a faite aujourd'hui. Ah, c'était une journée plutôt sympa, ça a été bien organisé. Tout le monde a couru du mieux qu'il a pu, même s'il y en a qui ne fait que marcher. Vous avez fait combien de tours? J'en ai fait 10, du coup. Et du coup, vous en pensez quoi du fait qu'on court pour l'association, qu'on court pour les enfants qui ne peuvent pas le faire, que vous en pensez quoi, votre ressenti? Bah, ça permet de mettre en lumière l'association et sa cause qu'elle défend. C'est une bonne initiative, du coup, pour récolter des fonds, pour aider à trouver des solutions pour cette maladie. Bah, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà. Une journée comme ça dans votre établissement? Eh ben, je trouve que c'est bien parce que ça permet de rassembler tout le monde autour de l'autre, puisqu'on court pour les enfants qui ne peuvent pas courir. Et ça mobilise une énergie et ça montre chacun le goût de l'effort et d'essayer de se dépasser et de faire au mieux qu'il peut. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas courir. D'accord. Est-ce que vous avez couru du coup? Vous avez fait combien de tours? Ouais, j'étais dans mon 10e tour quand ça s'est arrêté. Voilà. D'accord, et okay. J'ai pas l'habitude de courir et donc j'ai essayé de me dépasser pour faire au mieux. Voilà. Je suis bien fatigué là. Oui, je suis bien fatigué mais je suis content d'avoir fait. Ouais. Bah, c'est une bonne action qu'on fait voilà. Aussi ici pour courir pour les enfants qui ne peuvent pas. Puis j'espère qu'on arrivera à dépasser plus de dons que l'année dernière, puisque l'année dernière on était le 2e établissement au niveau de la France en termes de dons, donc j'espère cette année. On avait fait combien l'année dernière? On a fait 17 000 euros de dons. D'accord. Ce qui est énorme, et on était le 2e établissement au niveau de la France à avoir récolté le plus de dons. Donc d'accord. Si on peut faire mieux, c'est super pour d'accord. Les enfants. Voilà. Bravo à tout le monde en tout cas. Merci beaucoup. J'ai une place
importante, parce que ça fait 22 ans, 23 ans que je suis de l'association. J'ai été d'abord simple représentant au Garonne à Toulouse, et puis après j'ai été délégué régional, etc. J'ai été vice-président de l'association, 12 ans au conseil d'administration. Mais je suis surtout père de deux enfants touchés. Voilà. Et donc, je fais des actions, j'ai trouvé des donateurs, des parrains. J'ai pas aujourd'hui un titre particulier, parce qu'en France, on aime bien les titres. Mais c'est ce que je fais, quoi. C'est-à-dire, je vais dans l'établissement scolaire, je témoigne, parce que moi, j'ai perdu deux enfants de ces maladies, donc je témoigne de ma douleur de père, de ce que ça peut représenter, etc. Et puis aussi de l'importance de ce que j'ai dit tout à l'heure avec M. Marinoni, de soutenir une association comme moi, vu les enjeux. Donc nous, l'association, on est organisé avec une assistante sociale, avec une psychologue, une personne exceptionnelle, que vous verrez si vous venez le 7 juin, Claude Blondeau, exceptionnelle. C'est elle qui accueille les familles qui sont dans une détresse absolue et qui rencontrent le professeur en sachant que malheureusement le professeur va leur dire, le grand professeur de Paris va leur dire qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Donc elle leur remonte le moral. Il y a des facteurs déclencheurs de la maladie. Vous savez que le stress, la manière aussi dont on a de vivre, et de faire du sport ou pas, ou de manger bien ou mal, fait qu'on développe les maladies. Donc dans nos maladies, même si elles sont génétiques, elles sont identifiables après à un moment donné, il y a toujours des facteurs déclencheurs. Ce qui fait qu'en fait, on a plein de maladies sans doute qu'on ne soupçonne pas et qu'on fera jamais, qu'on ne développera jamais. C'est pour ça que l'environnement, les médecins ont toujours du mal, même encore aujourd'hui, et même s'il y a eu des progrès de l'évolution, du mal à comprendre que l'environnement est important. À tous les niveaux, à n'importe quel moment, que ce soit avant la maladie, évidemment, pour éviter de faire des maladies. Mais bon, quand ça arrive, c'est inéluctable. Donc il faut aussi qu'il y ait un environnement proche, qu'il y ait des amis, des soutiens, etc. C'est quand un enfant tombe malade et qu'il devient handicapé, il perd souvent ses amis.